Story time ou pas story time? Oh punaise, je peux pas aller à la douche. Donc du coup, vite on mange et on part dans genre 10 minutes. Bon, on sait pas du tout où on est. C'est trop adulte. J'arrive pas. C'est compliqué. Comment tu... Oh, oh. Mais du boire, c'est dégueulasse. C'est vrai. Le meilleur moment de la journée. Je ne dis pas une surprise, je prépare des surprises. C'était une nuit horrible, honnêtement. Vous avez absolument rien vu, mais c'était atroce. On vient d'arriver, on est choqués. La maison elle est trop bien. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. Je suis trop contente parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas juste vlogué comme ça naturellement sans faire de thème particulier. Si vous me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à aller faire un tour parce que je vous avais expliqué qu'en fait j'hésitais à sortir le vlog parce que depuis que je suis en Sicile, je vlog quelques jours. J'ai vlogué tout l'avion à l'aller, j'ai un petit peu tout vlogué quoi. Mais en fait le problème c'est que du coup c'est pas du tout organisé, j'aime pas du tout ce que j'ai filmé etc. Donc du coup j'ai décidé de pas le sortir ce vlog. Enfin bref, donc du coup je vais vous vlogger ma journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui on est dimanche, je me suis réveillée il y a pas très longtemps, j'ai fait une séance de yoga. Alors croyez-le ou non, c'est incroyable, je n'en fais jamais. Mais là, ma mère en fait fait des cours en ligne de yoga et du coup elle m'a recommandé un petit site. D'ailleurs je vous mets le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. C'est un site où vous avez tous les mois des thèmes différents avec des vidéos du coup qui vont avec. Donc vous avez genre une séance de yoga, une recette, une morning routine, vous avez plein de trucs et du coup c'est grave cool. Il faudrait que j'en fasse plus souvent, honnêtement j'en fais jamais du yoga. Du coup je voulais pas trop filmer parce que je suis en tenue de sport hein, mais j'ai mis un petit gilet parce que du coup je voulais faire ça toute seule. Enfin bref, donc le programme d'aujourd'hui, ce matin j'ai encore un tout petit peu de travail comme on est dimanche, j'ai une vidéo qui sort tout à l'heure à 16h, j'ai encore un peu de travail. Là ça serait bien que je prenne un petit déj parce que j'ai trop faim. Et cet après-midi on va dans un endroit trop cool, je vous mets des photos qu'on a vues sur Insta, c'est trop beau. Le problème c'est que le temps, j'espère que ça va aller. J'ai un peu bronzé hein, ça fait plaisir. Ah oui, aussi du coup dans le vlog que j'avais filmé un house tour quand on est arrivé et je vous l'avais promis celui-là. Donc ce que je vous propose, vu que normalement j'ai encore les rushs, c'est qu'à la fin de cette vidéo je vous montre toute la maison, le house tour de cette grande maison. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai fait un petit déj avec juste ce qui restait dans le frigo parce qu'il n'y a plus grand chose. J'ai mis de l'avoine avec du lait d'amande, de la cannelle, des pépites de chocolat, de la banane, du sirop d'agave et des amandes. Ça fait beaucoup. Et du coup, je vais préparer la barre d'infos de la vidéo qui sort aujourd'hui. Pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, vous savez pas qui c'est ce chaton qui dort dans mon lit? Je pense qu'à mon retour à Paris, je vais faire une story time. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous raconte absolument tout dans les moindres détails. Story time ou pas story time? La maison est tellement belle ici que genre il y a trop de plans possibles. Oh punaise, je peux pas aller à la douche. Mes shampoings ils sont dans l'autre douche, j'ai mis les dans la douche. 2 hours later. Je me suis douchée, je trouve pas ma brosse. Je me fasse un make-up de ouf parce que là l'endroit est paradisiaque. Moi je veux des photos incroyables, mais j'ai tellement la flemme. Est-ce que c'est mieux ici? Je vais faire comme dans la vidéo d'Emrata. Au doigt. On doit vite manger parce qu'il est 13h48. Là où on veut aller, c'est à 2h15. Et du coup, faut se bouger parce que sinon, on va arriver fera nuit. Donc du coup, vite on mange et on part dans genre 10 minutes. Exactement là, je vois tout. Ah ouais? Ouais, c'est là. Bon, on sait pas du tout où on est, mais genre pas du tout. On a fait 2h... Combien on a fait? 2h15? 2h15 de route. Comme bon. Mais en fait, l'endroit où on veut aller, il n'y a aucune entrée. On ne sait pas où on est. C'est là où on veut aller. On est dégoûté. Regardez, je sais pas si vous voyez, il y a un portail. C'est fermé, mais j'en étais sûre. En fait, c'est tellement dangereux. Je sais pas si vous voyez à quel point c'est beau, mais je crois pas parce que vous avez un contre-jour. Je pense que c'est archi dangereux et qu'il doit y avoir de la sécurité, des sauveteurs et tout normalement. Je suis dégoûtée. Il y a vraiment pas d'accès, on va tenter un dernier truc. Franchement j'ai grave pas d'effet, enfin je pense pas. Et puis même il va falloir marcher 100 ans. On est dégoûté vraiment parce que c'est trop beau. Wow, c'est giga long là. Wow. Oh coucou. Oh t'es trop beau. Oui. Regarde dans le congélateur vite fait. Oh. Mais dis donc, y'a rien. C'est que ça s'ouvre un congélateur ou... Bah en fait tu sais que c'est transparent, c'est à dire que tu ne vois rien. On a un morceau de poisson mais on a dit qu'on mangeait plus de poisson. Bon vas-y, on mange quoi? Laisse-le par terre, s'il te plaît. Bah dérange, il fait dodo.
Sois adulte. J'arrive pas. Oh, il veut pas. Non mais tu racontes. Tu viens manger toi, le plan. Fais-moi grailler. J'ai conduit 4h30, fais-moi grailler. Mon bras, ton père, c'est un c***. Demain je filme un what I eat en reel, donc demain je sais ce qu'on mange et demain on mange pas de pâtes, donc peut-être qu'on peut manger des pâtes. Pâtes, toujours des pâtes. Pâtes, tout le temps des pâtes. Bah fais des pâtes. À un moment on fait des rummo. C'est quoi cette marque? C'est compliqué. Comment tu... Oh. Tu me déprimes là, je suis en dépression. Putain, le temps perdu avec toi, le temps perdu. C'est une question. Pourquoi tu veux pas manger alors? Parce que je viens de conduire 4h30. Ah, donc maintenant tu te tais et tu t'adaptes à mon programme. J'ai mis l'eau à chauffer, j'ai fini mon job. Où je suis mon baby? Oh, voilà, la preuve en image. Que tu le veuilles ou non, je suis sa mère, toi t'es le cousin. Regarde, il est sur qui là? Ah. Si je me faisais un masque. C'est incroyable. Voici mes pâtes au beurre, faites par Jérémy comme prévu. Je sais que j'allais t'avoir. Je parlais de toi. Mais du boire, c'est dégueulasse. C'est vrai? Ah mais y'a pas de sel, je connais. Ton cerveau ravagé. Tu vas voir, j'essaie de se faire. Oh mon bébé, viens. Il a pas toussé. Trop bien. Non mais là je suis... Moi aussi. Don't have to deal with this one. Je vais aller me doucher, mais le problème c'est ça. Un chat qui dort. Mais c'est quoi cette truffe? Le meilleur mouvement de la journée. Se démaquiller. Mais il m'aime trop, mais c'est dingue. On va chercher des démaquillants, ok? La balade est terminée. Je me démaquille avant de me doucher tout le temps avec ce démaquillant Garnier. Ça fait des années que je l'utilise. Je l'aime trop trop trop. En revanche, il assèche un peu la peau, mais je sais pas pourquoi. C'est comme si ça asséchait un peu tous les petits boutons qu'on peut avoir, donc ça me dérange pas du coup. Et ensuite, une fois que je suis démaquillée, je vais à la douche. Et je me lave le visage dans la douche, ça c'est important de le dire. Et voilà, démaquillée, je mets la douche. Je suis sortie de la douche. Trop fatiguée, là ça y est, faut plus me parler. Je me suis habillée en Jérémy. Est-ce que vous avez déjà mis des caleçons d'homme? C'est genre des shorts pour dormir, mais en mille fois mieux. Je vais faire un masque avant de dormir. Il est quelle heure? 8h30. Je me suis lavé le visage dans la douche. Et le body, je vous l'avais déjà montré. C'est pas du tout sponsor, hein. C'est juste que j'aime trop ce masque. C'est le mascara Rescue. Il est trop bien. Les filles qui ont les peaux sèches, vous allez trop aimer parce que, en gros, c'est un masque détox. Sauf que vous-même, vous savez, les peaux sèches et les hydratées, on peut pas faire de masque détox, sinon notre peau, on se transforme en crocodile. Bah là, figurez-vous que non. Au contraire, ça rend la peau super douce, mais en même temps, c'est détox. Donc on peut pas faire mieux. Ah mais d'ailleurs, dans ma vidéo où je me maquille comme Emrata, j'ai un code promo et il est valable pendant 5 mois. Je me sens vous intéresse. En vrai aujourd'hui c'était grave cool, ça m'a fait trop du bien de sortir. Et d'ailleurs aussi j'ai complètement oublié de vous dire un truc. J'en ai parlé grave sur Insta, mais les 100K arrivent extrêmement vite. Alors je vous parle, j'ai 92K. Déjà merci beaucoup, j'arrête pas de vous le dire, mais merci, c'est incroyable, c'est allé très très vite. Je voulais aussi vous dire que je prépare au mois de mai, je ne dis pas une surprise, je prépare des surprises pour vous remercier. Vraiment j'ai eu plein d'idées différentes et mi-mai ça va pas du tout être comme d'habitude, je vous en dis pas plus, j'ai trop trop hâte que ça sorte. Puis voilà, je pense que je vais aller me rincer après et faire mes crèmes, mais je vous montre ce que je mets en ce moment. C'est assez simple, ça a pas vraiment changé, juste le sérum et le body, bah je vous l'ai déjà présenté, il est trop bien, le niacinamide, donc je mets ça et ensuite je mets mon huile de chez Paille et je l'applique avec mon gua sha. Bon, on est 2 jours plus tard. Vous devez vous dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je me dois de vous expliquer ce qui s'est passé justement. En fait, j'étais en train de laisser poser mon masque. Et là, avec Jérémy, on s'est rendu compte que le chat respirait extrêmement, extrêmement vite. Et on a complètement paniqué. Ça nous a fait extrêmement peur. Donc, à ce moment-là, il était 1h. Et on s'est dit, ok, bah, on va l'amener chez le vétérinaire. De toute façon, je vous ai déjà raconté sur Instagram. Mais du coup, on a cherché une clinique vétérinaire qui était ouverte à cette heure-ci. Donc, les cliniques qui font 24h sur 24. Et bon, en Sicile, je vous assure que c'est pas simple. On en a trouvé une qui était à 1h15 de route. Donc, on a emmené le chat. C'était vraiment la panique, on avait cru qu'on allait mourir sur la route. Enfin c'était vraiment 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 horrible. Et en fait le chat a un ver au poumon. Donc du coup ils l'ont gardé toute la nuit. Ça m'a brisé le cœur. On est rentré vers 4h30 du matin. C'était une nuit horrible honnêtement. Vous avez absolument rien vu mais c'était atroce. On est allé le récupérer à midi le lendemain. Là il a un traitement à prendre. Donc voilà, je voulais quand même vous tenir au courant, même si ceux qui me suivent sur Insta vous savez déjà. Mais voilà, c'était vraiment horrible. Je m'attendais à tout sauf à ça. Une nuit très très nulle. Donc voilà, écoutez, vous avez attendu toute la vidéo. Je peux vous dire que maintenant vous pouvez voir le house tour. Donc c'est parti. On vient d'arriver, on est choqués. La maison elle est trop bien, le lien sera en barre d'infos si jamais vous voulez louer la maison. J'ai froid quand on rentre. Petite
piscine. Avec là, on voit pas, je vous montrerai deux jours de toute manière. Avec des petits transats. Là, vous voyez la dinguerie. C'est trop beau. Mais là, on a une petite cuisine extérieure. C'est juste trop beau. Là, mais j'adore! Quand on rentre, vous avez une trop jolie cuisine. Je vais vous faire des What I Eat in a Day. Je pense que ça sera déjà sorti de toute manière. Le salon. Voilà, avec un grand miroir. Et ça, ça me plaît parce que chez moi, j'ai pas ça. Je peux vous faire des petits outfits of the day. Là, petit salon. Première chambre. Oh, d'ailleurs, j'avais pas vu qu'il y avait un lit superposé. Alors, je vous explique. Moi, je vais m'étaler dans une des chambres pour mettre toutes mes affaires. C'est trop stylé. La salle de bain est trop stylée. Je suis fan. C'est trop stylé. La deuxième chambre. Qui m'appelle? Du coup, l'autre salle de bain. Trop stylé. Trop stylé. Ouh, c'est trop beau. Trop bizarre. Ils mettent genre 3 interrupteurs. Il y en a qu'un seul qui marche. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si jamais c'est pas déjà fait. Je vous poste tous les jours, je suis très très active, j'arrive pas à parler. Et c'est très cool Instagram. Et n'hésitez pas également à me suivre sur YouTube. Je poste 2 vidéos par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Et je vous vois, tous ceux qui regardent mes vidéos sans être abonnés, abonnez-vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Merci.